Et on est de retour pour la Forgettive League, saison 8, les playoffs de la division 1, la deuxième game entre 5 camarades et Suisse à Gelul. On est toujours en finale lower bracket. Une manche d'élimination pour cette année, il leur faut gagner ces deux prochaines. On est dans la phase de draft, je suis toujours en compagnie de Guigui et Voja. Bon, c'est compliqué pour le moment pour cette année, mais est-ce qu'on va pouvoir rebondir? Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de rebondir, notamment avec un autre draft? Oui, ils sont capables. Ouais. Ils ont de quoi jouer dans leur poule après. Il y a un momentum quand même positif du côté 5 camarades qui va être compliqué à arrêter. Ça, c'est un autre problème, je pense. Ouais, c'est ça, on peut complètement inverser, prendre les choses à l'inverse. Hein. On est sur 3 victoires de suite pour 5 Camarades et on est sur 3 défaites de suite pour Cheese. Donc c'est sûr qu'il y a le vent qui est dans le dos d'une des deux squads. Et malheureusement pour Cheese, c'est pas pour eux. Donc il va falloir aller sortir les dernières ressources, aller sortir un petit peu tout ce qu'on peut aller chercher au fin fond de nous. Ils ont pas l'air d'avoir spécialement envie de modifier une grande partie de leur draft. On redégage la Lina de leur ban, pardon. On redégage la Lina de Noob. On a un petit Yo qui pour le moment est dispo. Maintenant, il faut faire gaffe au délire de à quel point est-ce que c'est des baits, ces Yo que tu laisses passer en game 2 de la part de 5 Camarades. À quel point est-ce que tu sais déjà ce que tu veux quand Yo, tu veux essayer de les forcer dessus, etc. Il peut aussi le prendre hein, en first pick, bien évidemment. Oh, il À laisse ce voir. bain passer. Est-ce que Davaï Lama va s'équiper de ce bain, ça va prendre le bain rapidement? Non, on va prendre la Weaver. Okay. Eux, ils prennent le Yo ou pas? Ils prennent le Bane, c'est sûr. Là, la question est sur le Yo. Is it a bait? Is it not a bait? À voir. Après, Weaver, ce qui est bien, c'est que si tu laisses passer le Yo, c'est un bon héros pour setup des kills sur le Yo. Le fait de mettre un Swarm et d'aller taper de la. Pour taper le Yo, Weaver, c'est pas trop mal. Alors, il suffit qu'il y ait un carry DPS qui vienne un peu avec, qui peut suivre. Par contre, Bane, c'est aussi bien pour jouer avec un Yo. Alors, c'est pas super cool de montrer tes deux supports d'entrée, mais Bane, c'est un bon héros pour setup des relocates, donc ça pourrait être là. Non, ils vont plutôt prendre le Spirit Breaker, donc lui, il pourra jouer aussi à suivre les moves du Bane. Le Bane qui setup d'un côté, le Spirit Breaker qui arrive, c'est bon combo de corps slash support. On sait pas trop où est ce Spirit Breaker, même si on l'a vu en P3 la game d'avant. On verra s'il est en 3 ou 4 cette fois-ci. On va voir ce que ça donne. Du bon lockdown face à Weaver aussi, ce genre de héros qui peut être difficile à terminer. Spirit Breaker apporte ce qu'il faut, ça atteint la cible. Ça la lockdown pendant 4 à 5 secondes. Et tu demandes juste à tes corps de faire les dégâts derrière, à tes poteaux, de finir le boulot. J'aime bien le fait qu'ils prennent Palio là, de 1, parce que j'ai peur que ça ait été un bait. Et de 2, parce que si les mecs l'ont pas first pick, probablement que c'est pas un truc sur lequel ils avaient envie de se jeter. Du coup, t'as plus de chances qu'ils ne le prennent pas maintenant, plutôt qu'ils le prennent. Je ne veux pas dire qu'ils vont pas le prendre pour autant, mais la proba est meilleure. Et du coup, peut-être que tu forces un ban en deuxième phase de ban, ou peut-être que tu as même le droit de le prendre plus tard, si tu veux, si les mecs le bannent pas du tout. Donc c'est cool. Je pense que stratégiquement, je suis d'accord avec ça. Et on va prendre Pour Beastmaster. mettre des bêtes. Oh, le Beastmaster qui... alors, C'est face pas à mal pour Doomrush gérer le qui... Nightmare. Notamment. Nightmare qui est un peu une grosse force de Bane actuellement pour avoir Ouais, un c'est son jour de pouvoir ulti, hein, on peut le transférer. dire, hein, c'est son vrai spell. C'est... Voilà. Oh. Ah, peut-être pas, parce que le Fan Grip, c'est quand même très très fort. Hein, et ça Non, mais c'est le n'a spell pas qui beaucoup de design CD le le héros. Nightmare comparé à un Fan Grip. Hein, donc, Ouais, Mais mais c'est c'est vrai le que c'est un spell qui spell très design fort. le héros actuellement. C'est on joue Bane pour Nightmare. On joue pas Bane pour Fiengrip, on joue pas Bane pour Brainsap, on joue Bane pour Nightmare actuellement. Ce sont des petits. C'est comme tu joues Sandking pour Sandstorm, quoi. Voilà. Il faut accepter les choses. Ouais, moi j'aime bien le BM versus Bane. Je trouve cool. C'est Oh, toujours du intéressant. respect Et ban ils ont qui été tombe très là. très bons. Ils ont été très très bons avec leur BM 5 Amarres, tellement bons que s'ils affrontent Adonores, Adonores ne les laissera pas passer une fois. Ils ont plus envie de jouer contre ça, hein. C'est ATX qui le dit. Plus envie de jouer contre ce Bane. Hein. Ils adorent, 5 Amarres adorent jouer avec de la vision et. C'est pour ça qu'on le draft tôt, je pense. On peut se permettre de le draft tôt de la part de 5 Camarades. Ils peuvent aussi parce qu'ils savent déjà qu'il y aura un Bane sur la ligne, donc ils savent un peu à quoi s'attendre. C'est pas un support, il reste pas un P5 qui peut être pris pour aller cleaner cochon aussi en face de ligne. Du coup, bon, beaucoup du respect ban, on enlève l'invoqueur de Noob, on enlève la Lina de Tive. Du côté, on a
5 camarades de ils enlèvent TBPA de Super Rudy, on a enlevé la cop de Chouchou. Bon, même s'il a pas eu une très bonne game d'avant, on n'a pas forcément l'invoqueur, du coup on l'enlève, ce qui est respectable. Oui. Oui, parce que c'est la game de Joujou est compliquée parce que le draft adverse permet ce genre de choses. C'est ça. Et pas parce qu'il est pas bon sur le héros. Donc on peut quand même se dire bon, ok, le mec est bon sur, mais il avait une game très compliquée. Si on lui donne pas une game compliquée, peut-être qu'il va nous faire quelque chose qu'on a pas envie et qu'on va regretter. Donc pour moi, ça reste une bonne idée. Tu vois, on n'est pas sur le héros qu'on est capable de maîtriser avec beaucoup de draft et avec lequel on a besoin de ne pas avoir de contrôle, et pour l'instant on a juste un BM pour un contrôle, et t'auras peut-être pas envie d'utiliser ton roar juste pour tuer Ok, ça c'est un peu forcer la main. Moi j'aime beaucoup la phase de ban de 5 camarades dans sa globalité, parce qu'elle force la main. C'est demain tu dégages Kunkka Cop, donc tu mets Chouchou hors de ses zones de confort, il lui reste Ember Puck dans les trucs qu'il a montré avec lesquels il est vraiment vraiment à l'aise. Il fait son petit ban Void Spirit, prend le puck, ils estiment que c'est ok, qu'il peut aller jouer puck dans la game là. Cool, pas de souci, pas de problème, go pour ton puck, mais c'est un peu forcé de la part de 5 camarades. Et d'un autre côté, moi j'aime beaucoup les bans TB et PA, parce que du coup tu essaies de setup ton BM. Ton BM tu l'as pris parce que tu lignes contre le bane, jusque là il n'y a pas de problème, tu les nightmares, tu réveilles avec les pets et tout, etc. Mais on sait qu'il y a des carrés qui s'en battent les steaks de ligne contre un BM. Les carrés contre lesquels avoir les cochons, ça ne te sert à rien. PA et TB en font partie. Donc ils dégagent les deux pics là. Donc on va devoir jouer du côté de Cheese avec... Il en reste des carrés hein, qui s'en foutent des cochons. Mais avec peut-être un carré qui est embêté par le fait qu'il y ait un BM sur la lane, qu'il y ait une Weaver sur la lane. Peut-être un carré qui n'aura pas une phase de lane extrêmement agréable. Alors que ce soit la Weaver ou la Widow hein, qui termine avec le BM, on verra. Mais ouais, le pool des carrés qui s'en battent les steaks de BM en lane commence un peu à baisser. Il en reste quelques-uns. Ça ressemble à la Weaver de Davai en P5. Là. Et on va prendre l'Ember pour jouer Coimber contre le Puck. Ouais. C'est un peu c'est moins bien toujours que l'idée de forcer la main. Ouais. Mais c'est toujours l'idée de forcer la main. Il savait qu'il allait prendre probablement soit Puck, soit Ember, et qu'ils allaient pouvoir prendre l'autre s'ils voulaient. Les deux match-ups sont... Bah, Puck a toujours le coil qui est bien contre tous les spirits. Hein. Mais, voilà. Ouais, mais je sais pas, je trouve que Ember est beaucoup moins... En tout cas, le ban Void Spirit, il est très bien senti hein, quand tu prends Puck. Parce que l'avantage de Void Spirit, c'est que sur un Ulceptor, tu peux mettre un Remnant qui va vraiment être un vrai contrôle face à Puck. Là, il n'y a pas beaucoup de vrai contrôle sur ce puck. Il y a du root, mais une fois que tu auras un item défensif, déjà, tu vas bien pouvoir nullifier le root potentiellement. Il va quand même être obligé de faire un Lincoln, ce puck, à un moment, parce que le roar, ça, c'est bon, il peut un peu le dodge avec le face shift, tout ça, mais c'est quand même pas facile à gérer complètement, je trouve. Ouais, mais ce qui se passe, c'est que si tu... Après, il va falloir voir quel est le carry de... Évidemment, de CTD, mais si t'as un carry qui est très dangereux, tu vas devoir mettre l'aurore sur ce carry et pas sur ce puck. Faudra faire attention à ça aussi. Après, il y a un mode dans lequel c'est la beurre de Tib aussi, et dans lequel, parce que moi j'avais un truc qui traînait dans le coin de la tête, je vois que c'est une game pas mal open à TA pour 5 camarades, et je me dis, ok, le mec il peut juste jouer TA, la contre, le matchup est ok contre Puck, pour le moment il n'y a rien qui t'inquiète, alors peut-être pas avec la Dusa qui arrive, mais je me disais, c'est assez cool de prendre TA, et du coup ça me plaisait l'idée d'avoir un Ember P1 et puis d'avoir ton vrai carry sur la TA, avec la Dusa quand même beaucoup moins. Banrazor, du coup, je pense, du côté de Cheese, t'as pas trop le choix. Puis, Razor Slark, Kimo. Ah, c'est vrai que t'as la M aussi. Ouais, moi, je dégagerais Razor Slark et je laisserais passer la M, mais c'est dangereux, hein, c'est dangereux. Ça reste AM versus Dusa, quoi. C'est AM versus Dusa, mais c'est aussi AM versus Puck, où c'est pas simple pour AM de s'exprimer. Oui, le besoin de BKB et t'as Puck, une fois qu'il a gagné, ça devient bien. T'as la charge du barrage. T'as aussi intérêt cool de gagner tes lignes. Si tu laisses AM, il faut que tu gagnes tes lignes. C'est parce que t'as besoin d'avoir le mid-game à ton avantage. Ok, on s'attend à ce qu'il grade soit 4. On va forcément faire un ban. Il devient le PL. Ok. Ouais, moi, je préfère ce ban PL. Mais AM, ça, parce c'est que bien si... ciblé parce que c'est plus un joueur de PL qu'un joueur d'AM, par exemple, Tib. Ouais. C'est un joueur de Slark, par contre, carrément. Oui. Hein.
Il y a le Slark qui est dans son pool, effectivement. Ouais. Slark, c'est bien dans ce game. C'est bien qu'on dise ça. C'est un peu embêté par Puck. Ok, ça sent pas les steaks de Bane. Hein, ouais. Et c'est pas trop emmerdé par Spiritbreaker non plus. C'est une chouette game de Slark, so far. Eux, ils protègent, ils dégagent tous les offlaners anti-mêlée. Ils dégagent Tide, ils dégagent LC. Ça va finir en safe laner mêlée pour jouer contre le Dusa. Donc on revend la M, on revend le Slark. Probablement moins Razor, du coup tu bannerais pas Tide LC si t'avais une idée Razor quelque part. Oh non, parce que ce serait des bons contres en ligne, effectivement. Ah ouais. Du coup on est sur Slark ou M, je pense. Ouais, ça ressemble à... Draw, c'est vrai que Draw, c'est pas si mal que ça face à Dusa. C'est ok. Bon, après, il reste Slark Warden, hein, qui est aussi un des plus gros contres à Dusa, mais qu'on voit très peu. Le ban LC... Type joue de Slark Warden ou pas. Le ban LC me fait dire que la M est dans leur idée, quand même. Hein. Parce que LC, c'est vraiment bien contre M. Et est-ce qu'ils peuvent complètement braid tout et jouer Weaver P1 qui est pas spécialement très bien contre Dusa, mais qui s'en bat un peu les steaks, en fait. Ouais. Ça peut faire diffus, c'est un talent de mana break. Ouais. C'est ok contre Dusa. Tu vois, c'est pas un contre, mais ça joue aux jeux vidéo contre Dusa. Ils peuvent complètement brain tout ça. Puis, ouais. Ça peut courir assez vite pour pouvoir aller choper la backlane sans passer par la case, sans tuer la Dusa. Ouais, par contre, c'est vraiment pas ouf contre Spirit Breaker et Puck. Ceci dit, donc... Ouais, ça, c'est... Bah généralement, les héros qui sont forts conduiseurs. Et voilà, ouais, la M. And Demage. Ok, donc c'est quoi ton offliner de choix pour aller jouer à la contre? Je pense pas que tu peux jouer SBP3. Je pense qu'il faut que tu remettes un coup de pression véritable. Tu peux jouer des trucs comme Axe, tu peux jouer des trucs comme... Ouais, je sais pas, il y a des options. Si tu veux juste aller crush lame, tu peux jouer Slarda, tu peux jouer Axe. Juste rendre la vie difficile. Ouais. Tu peux jouer un offlaner range aussi et punir un peu ça. Tu peux jouer du Nature's Prophet par exemple. Tu peux jouer Bloodseeker qu'on aime bien aussi jouer contre AM. Pas beaucoup de secondes, hein. Non, c'est dur. Oui. Il va falloir vite choisir. Et ça sera ça. Sera ça. On va prendre le truc qui crush, le truc qui donne aussi un peu de vision. Ok, bah le plan est clair. Hein. Cet AM, il peut gagner tout seul, mais. Il faut que la situation soit en place pour qu'il le fasse. Mais il peut vraiment gagner tout seul. C'est pas gratuit, c'est difficile, va falloir sortir les doigts. Mais c'est une game où Andy peut anti-magifier de manière AOE, quoi. Ouais. Alors, s'il gagne pas les haines, par contre, j'ai peur qu'on ait un timing autour de la 25e minute qui soit ingérable pour l'anti-magie. C'est face à Puck. Un petit peu plus confiance quand même dans le Scrap de Cheese que par rapport à la game d'avant. Là, on a deux plans de jeu qui vont s'affronter. Et s'il y a une équipe qui atteint pas ses timings ou qui est en retard sur ce qu'il doit faire, c'est là-dessus que ça va jouer. Donc là, les deux équipes peuvent gagner. Mais je pense que Cheese, ils se sont mis dans une position qui est jouable quand même. Donc c'est intéressant quand même. Ah, moi, je vais leur faire confiance parce que le fait qu'ils n'aillent pas à ban la M de toute leur dernière phase de ban, c'est qu'ils savent que c'est potentiellement un truc qui arrive et qu'ils se sentent prêts à jouer la contre. Donc ils ont mes points de confiance. Pour moi, c'est très clair, je le répète encore une fois, mais dans les 10 héros là, il y en a un qui peut gagner la game tout seul, et cette game peut être one side s'il est bien, c'est la M, c'est sûr et certain. Mais Cheese le sait, et Cheese a fait toute sa phase de ban en sachant ça, et ils en ont pas peur. Let's go. Montrez que vous avez raison, ça me va. Je pense que ça va donner, moi j'aimerais bien voir une game 3 pour que ça soit serré, mais... Les deux, cette fois-ci, ont vraiment de quoi s'exprimer. Je suis pas confiant pour cette AM, notamment à cause de Puck Slarda. Mais bon. On verra ce que ça va. Alright. Bon, messieurs, amusez-vous bien. Amenez-nous une game 3, histoire qu'on ait des belles choses et qu'on ait plein de jolis suspense pour la game numéro 3. Ah bah, on l'espère tous. Hein. On l'espère. On est là pour ça. On est là pour voir du beau Dota. On est là pour voir le plus de Dota possible. Et on va... Ouais, on va se type entre Omar et Tib. Ça va être intéressant. Attends. Ouais, non, c'est un bar à P4. C'est un bar à P4, un Slarda. Oui, oui. P3, pas de surprise, pas un bar à non, P5. Non, non, non. Mais je pense que Vojin avait raison dans la fin de draft. Si le bar, il pouvait plus vraiment être P3 une fois que la M est arrivée, sinon c'était pas assez de pression sur le carry. Noob qui travaille son français. Dans la bonne esprit, bien sûr. Oui, c'est parce que Omar
Inoue qui sont C'est évidemment ça. dans la même équipe, donc évidemment Une ils vont pouvoir centrée se mettre des encore petits qui pics. ne trouvera pas de Ward au mid, puisqu'elle a été Oui. mise sur la colline Elle a été mise toute sur la droite. colline et Davaille là-bas était un petit peu. Bah, je pense qu'il ne s'en doutait pas qu'elle soit là. Et pourtant, elle était bien, bien présente. Elle donne la vision de manière très correcte. Ça sera sur la bounty et surtout, bah, c'est un petit peu bait. Rajis qui va s'agiger les bounties du top, du coup il devrait pas jouer celle du bot avec son AM. Si il y va? Non, ça me paraît compliqué. D'ailleurs, Davaï Lama qui va avoir la troisième, on n'a pas couvert le triangle de la part de Rossel à temps, dommage. Et du coup, cette fois, c'est trois bounties pour 5 camarades. Ouais. Petite erreur là. Davaï qui va pouvoir s'en sortir avec le Tsukushi sans souci. On va voir ce que ça va donner. C'est une Weaver P5, attention, ça met de la pression sur la phase de lane, mais c'est pas forcément simple non plus de gagner. T'as un anti-mage face à double mêlée qui n'ont pas grand chose à faire de leur mana. Une fois que t'as un Sphère d'art par exemple niveau 2 qui a un passif, t'as un Bara qui est niveau 2 qui a un passif, Tib il va avoir du mal à aller trade. Parce Voilà, que quand il n'y aura plus de c'est ce qui mana, est bah arrivé. déjà là regarde, là Omar il a même pas pris charge level 1, il a pris bash level 1. J'aurais quand même pris la charge level 1 juste pour une raison, c'est dépenser sa mana assez rapidement pour éviter de se faire trop poke par le mana burn, mais sinon c'est compréhensible aussi, c'est pour pouvoir mettre de la pression régulièrement et les deux choix Généralement, sont les bons. Baras ils prennent pas la charge. Voilà. C'est vraiment pas un bon spell. Ouh, le route sur Sevier. Bon, il va juste prendre le sang. Il va quand même les ronces qui font Ouais, un il va petit en peu de prendre un dégâts. deuxième, hein. Et attention parce que Dark Willow Beastmaster, ça, vu que le Beastmaster a du slow, ça devient très très compliqué. Allez, on ressort un cochon. Enfin, on en sort un rogue plutôt. Qui va juste Et dans donner la la vie, on a centrie, une. malheureusement. Oui. Et ça Il se donne fait des golds farmer. au Bane. Hein. C'est très très intéressant d'avoir un. Match-up au mid entre Puck et Amber. On a dit que c'était quand même assez équilibré en phase de ligne. Le Puck Pour. prend des points de silence quand même pour reverse Ouais, le c'est ça. shield. C'est, si t'as un peu qui prend que ses spells offensifs et jamais son face shift, normalement il devrait pouvoir réussir à clean le shield au CD. Donc. Alors ça lui coûte un peu plus en mana et tant qu'il a pas la bottle, c'est un peu compliqué. Mais maintenant qu'il a la bottle et qu'il y a les water runes qui vont arriver, là par exemple, s'il connecte l'orbe et qu'il connecte le silence, il n'y a plus de shield pour moi. Donc, Bon bah pas de First problème. Blood, On a le First Blood bien vu. pour Savior là-dessus. Rudy, il a eu le temps Monsieur d'activer son Ops. shield juste avant l'explosion. Pas trop de problème. Et la force du Bane hein, et de son Nightmare, plus à présenter. On pique en grande partie pour ça. Le Brain Sap reste très fort aussi hein, sur les phases de ligne. Évidemment pour trade en 1v1, hein, c'est un bon spell aussi. Hein, parce que c'est pas juste faire du dégât, hein, c'est du faire du dégât et récupérer de la vie. Donc c'est très très cool d'avoir un spell à 100% de lifesteal. Il va faire une corrosion à nous avec son Amber? Il a déjà une. Oui, c'est pas impossible. Oui, beaucoup d'Ember le font. Donc je serais pas Ok. surpris de le voir faire cette corrosion. Corrosion Faceboots BKB ou Corrosion Faceboots Sengen Kaya, ça ne m'étonnerait Rossel, il a absolument pas plus de là-dessus. mana. Ouais, Tu plus de parlais mana, mais du il a fait que. plus beaucoup de points de vie aussi, donc c'est dangereux parce que Ouais. Weaver, ça peut faire du dégât quand t'as plus beaucoup de points de vie. Là où Tib, bah pour l'instant, il fait mal parce que justement, il y avait encore un peu de mana sur Omar Ça y notamment. est, là, il fait Alors plus là, on mal. sent la différence quand il y a plus de mana sur le Bara. Après, quand t'as pas de mana, tu peux pas mettre de spell aussi. Donc c'est ça donne quand même une certaine tranquillité à la Weaver après. Ah, c'est ça, c'est la Weaver peut s'exprimer parce qu'il n'y a pas de mana, mais l'anti-mage aura plus de difficultés à s'exprimer sur les trades parce que justement il n'y a pas de mana. Donc c'est une situation où t'enable ta Weaver. Alors, ça ne disable pas non plus ton anti-mage, hein, parce que ça reste un bon héros. Hein. Vu que c'est une bonne BAT de base, c'est toujours cool. Mais sur un Slardar qui a 3 points qui commence à prendre des points de bash, ça va devenir de plus en plus compliqué pour la M en 1v1 pur. Donc, heureusement que la Weaver sera là. On a contesté le pool du côté de Regix au top avec Frogros parce que la ligne avait été reculée. Et je pense que Paris est en train de réussir en bot pour la M qui est quand même pas trop contestée au niveau des CS. Pour une Ouais, lane Slardar, c'est quand même plutôt bien ce qui se passe pour Team.
Et il a son Ring of Health. C'est le moment le plus important pour son anti-mage. Le moment où il sort Ring of Health. En plus, il est full life. Donc là, on est vraiment dans une situation où l'anti-mage, il est très très bien sur cette ligne. Et il est mieux que la Dusa. Je m'attendais à ce que la Dusa soit mieux que l'anti-mage. Le soir, bah ouais, mais bon, Russell ne pourra pas être attrapé. La charge de la marque qui revient sur la ligne pour dire non à la Weaver. Est-ce qu'on a de la régen de la part de Omar qu'on a ramené à Russell? On n'a pas ramené de régen à Russell? Dommage. S'il n'y a pas de régène, il va quitter la ligne. Et ouais, c'est ça. J'aurais bien aimé ramener une salve, notamment. Donc, ça ne sera pas le cas, mais... Bon, le match-up au mid qui est confirmé. Très équilibré. Léger avantage pour Noom, mais bon, c'est pas significatif. Comme tu le disais, la corrosion qui a bien été complétée. Ouais, mais c'est les build Ember actuellement. On va faire de la stat. Et avec corrosion plus singe, on se retrouve avec des Ember qui ont quasiment... 1800 points de vie et Facebook, ils ont de l'armure, ils ont des points de vie, ils ont de la statue résistance, ils ont de la tankiness parce qu'on prend le talent de Mana Shield qui tank 700 de dégâts magiques. Ça devient compliqué là-dessus. Ça devient très compliqué là-dessus. Pour le tomber. On va voir si on va bien partir sur ce genre de build ou si on va faire du Maelstrom, du All Scepter qui pourrait être aussi intéressant. Attention, Tib. Ouais, ce genre de situation, c'est pas agréable pour Tib. Heureusement, il n'y a pas eu de bâche pour Omar. Parce que s'il y avait eu de nouveau un bash, je pense que Russell peut de nouveau proc un bash. Et tu vois ce qui se passe, c'est que si on a eu un bash sur le Bara, je pense que l'anti-mage mourrait. Donc attention à ce genre de... Ouais, attention à ce genre d'enchaînement, effectivement. Ouais. Ça peut faire La power rune qui Nilu. A été contrôlée par Davai, Nilu. Et qui va en plus en profiter pour récupérer la bounty. Et il doit s'en douter de la part de son puck. Et là, il vient de voir. Puck. Attention, on a un Ember qui a TP en bas pour tenter de sauver son anti-mage, mais son anti-mage est mort. Hein. Et on a une. On va trade avec Russell avec le Swarm. Je pense qu'il est mort à moyen un terme. Petit feu. Oh oui. Le retour bon. Des Bolas. Enfin, plutôt des. Sanction, pardon. Ouais, c'est Fist. Je vais citer tous les spells. Oui, tu vas citer tous les. Mais t'as l'idée. Ça va finir par être c'est la loterie. Ah non, merde, c'est plus lui. Ah non, le bug, il y avait plein de bounties. Oh non, et c'était bien pensé. Frogos, il a eu la bonne réaction parce que sinon, c'était les deux bounties qui étaient volés. Il va peut-être mourir là-dessus avec le coil notamment. On va changer de règle. On va perdre le coursier. On a l'orbe. Oh, on va tuer. On va quand même le tuer. Et on va s'en sortir, je pense, de la part de ce puck. À moins que l'Ember arrive, est-ce qu'il a le point de bolas? Non, il a pas de point de bolas, justement. Et on va tenter le TP, est-ce que ça passe? Non, ça ne passera pas, mais c'était bien tenté. On n'était pas si loin. Super Rudy, avec le Snake, qui fait quelques dégâts. On a le Domi qui arrive, mais il s'est fait déjà récupérer par cette Dusa. Et Rajis n'a plus assez de mana pour pouvoir poser l'Aurore. Donc cette Dusa, pour l'instant, même niveau qu'anti-mage. On a un peu qui est un peu derrière l'Ember, mais on a surtout un Beastmaster qui est très 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 bien. Radix qui nous montre encore une fois la raison pour laquelle Adonores l'avait ban sur les games 2 et 3 lors de son BO face à 5 camarades. Et première ulti de la part de Tib, j'ai l'impression. Ouais, non, même pas. Même pas besoin de l'ulti. Ça c'est pas mal parce que c'est donné un peu de network sans anti-mage qui avait été un petit peu deny depuis 2 minutes. On essaie de se faire le... Le triple dominé, mais le rock sur la DM, Dusa, ouais, avec plus le mana. On a eu le temps de mettre un snake. Non, ça ne suffira pas pour Rudy, qui va mourir. C'est une question de temps, même s'il tank un peu, ça ne sera pas suffisant. Il va mourir et aussi. On va même récupérer le Bane là-dessus. Ouh. Avec cette décale de Davai Lama, ça fait le travail. Les points de swarm qui sont efficaces. Et ça, c'est bien parce que il peut pas tenir sa tour. Et il s'est fait charger parce qu'il y a une ward derrière la tour. Et est-ce qu'on va pouvoir venir l'aider? L'Ember est un peu dans la zone. Oh, il est en DD l'Ember. Il est en DD. Oh, on DD. Est-ce qu'on va pouvoir connecter la charge? On connecte la charge. Est-ce qu'on a l'ulti de la part de Russell? Non, il a été renvoyé cette ulti de la part de Tib avec son counter spell. Et on va même récupérer, je pense, ce Slardar. Et ouais, ce Slardar, il est mort. Il a un peu grid le fait de refresh l'ulti pour avoir la max duration. Il aurait peut-être dû le mettre un tout petit peu avant. Et au final, ça donnera un autre kill supplémentaire. Et nous, en plus, il a une DD. Donc je veux dire que. Est-ce qu'il peut aller mettre un coil? On va recharge type pour donner la vision. On a la Dusa qui a TP en bas. Le Slight Office qui ne connecte pas. Attention avec ta Dusa, t'es en train de te faire courir dessus. On a Davai Lama qui va arriver. On va avoir l'ulti. Est-ce qu'on a le temps de poser? Il est pas bien. Non, Tib va mourir. Et c'est même Super Rudy qui le récupère. La King Spree qui tombe dans les mains de la Dusa. Ça fait plaisir. Ça tue l'anti-mage. Ça récupère sa Spree.
on a le coil qui va arriver. Est-ce qu'on le casse? Non, on va pas le casser et on va avoir, je suppose, le silence qui va arriver juste après. Oui, il va arriver juste après. On tue l'Ember en plus. On a Dalai Lama qui va arriver. Ça va être du one by one que vont nous proposer les joueurs de Wildcard Gaming. Alors certes, on va récupérer Super Rudy, mais on a 3 kills qui ont été pris par CTD. Très rentable hein, pour l'équipe de CTD sur ce move. Bah, ça remet bien le... Enfin, ça remet bien. Ça remet un peu la Dusa, dommage qu'elle meure. Elle est toujours derrière la M du fait de sa mort. Le Puck, du coup, bah, peut snowball un petit peu sur ses 3 kills. Il était présent. Et il revient au niveau de l'Ember. Hein. Mmh, tout à fait. Ce Puck. Qui va partir Witchblade. Heureusement qu'il y a eu cette séquence parce qu'ils étaient déjà derrière contre un draft AM avec une Dusa. Il faut pas qu'il soit derrière, hein, Chista Jelul. Ouais. Et surtout, il y a un Beastmaster. Et ce Beastmaster de Radjix, il va mettre énormément de pression sur la carte. Et il est ultra important. Parce que si ce BM s'exprime bien, si ce BM arrive à mettre la pression, il va enfermer la Dusa assez rapidement. Il va ouvrir aussi la map pour son anti-mage. Le Puck, il faut qu'il fasse gaffe, il y a du monde au mid. Ouais, c'est bon, il a juste cut la vague de rire. Mais il a pas cut la Kata. Mais il n'y a pas vraiment de pression à poser. La Kata va mourir. Il y a une charge qui est en train de partir. L'Aurore pour accueillir la charge, gravée par le Hawk. Ah bah Omar, il est pas chanceux là-dessus, il est juste passé en vision. Bon, il y avait même une ward derrière la tour, on marque. Ouais, il était. On l'avait aperçu, donc on s'est douté qu'il était présent. Et malheureusement, tu parlais d'enfermer, bah la T1 mid, elle va être difficilement défendable, je pense. On va essayer d'y aller de la part de Rustle. On va être. Accueilli par les Qui arrive avec son peur. Est-ce qu'on peut, mettre un Boudrin Call? On pourrait, mais ça ne servira à rien. Et on va perdre juste ce P3. Et on a un Bane qui, dans ce genre de situation, n'est pas très efficace. C'est pas un bon héros pour lutter contre une agression très très tôt dans la partie. Parce qu'il y a la ward qui va permettre un deuxième kill sur Omar ou pas? Non, Omar peut reculer avec son bulldoze, ça va. C'est dur qui va accueillir Noob avec un Nightmare et dire à sa Dusa recule. On va transférer le Nightmare. Est-ce que Noob peut aller choper quelqu'un? Non, il va juste choper le camp. Il force l'ulti. Oui, juste il a raison de Super Rudy. Hein, avec le boost de MS, ça lui permet de reculer. Il sait que le Clamber était pas loin. On a la ward qui a été posée de la part de Dalai Lama. Toujours présente. Ouais, c'est bon. Il est mort. C'est un coil, mais il faut les utiliser ces coils, c'est 80 secondes de CD. Alors, je vais poser une question mécanique. Est-ce que tu peux ulti Weaver quand t'es coil? Oui, parce que c'est pas un spell de déplacement. Oh, le coursier de Rajix, dommage. Mais oui, c'est pas un spell de considéré de déplacement. C'est pas considéré comme un spell de déplacement. Ça, je me dis là, s'il était pas stun, il aurait pu ulti et repartir, à mon avis. Oui, mais c'est juste que le coil fait un peu de dégâts de base et on aurait potentiellement pu. Avoir du. Comment ça s'appelle du. J'oubliais. Casser la laisse avec la charge. Bon, ça n'a pas été le cas, mais. Et 3 cagoles, 3 KXP d'avance pour 5 camarades qui est bien en position avec un draft AM et de l'avance. L'AM et la Dusa sont au même niveau. Ouais, mais l'AM il va scale sur le long terme et c'est ça. On est reparti à l'agression de la part de. On va trouver la Dusa, c'est le meilleur pick-off qu'ils peuvent faire. Super Rudy, il est toujours en CD. Il a plus d'ulti de la part de Super Rudy maintenant. Ouais. Et il a pas de mana pour l'achat, pour le snake. Est-ce que Russell peut la dagger de Russell par contre? On va voir la dagger, mais j'ai pas l'impression que cette Ember survive. À moins que parce qu'on a le fear de la part de. Oh non, il a chargé une noob. Il va recharger. Il y a encore un remnant, c'est propre. Allez, on va quand même récupérer. Et 5 camarades est en train d'enchaîner très rapidement. Et là on a l'effet Beastmaster, qui donne énormément de vision, qui coupe le contrôle de la map. Et on comprend pourquoi ce BM était ban de la part de Adonores. Il est en top du Networks, il a énormément d'impact Radjix sur son BM. Et il est encore en train de nous le montrer. Hein. J'ai même l'impression que au rythme où ça va, peu importe comment se passe la game, ils auraient pu pick n'importe quoi tellement l'Ember et le BM vont avoir de l'impact avec cette Dark Willow et cette Weaver. Là pour l'instant c'est un AM donc toujours pas BF. Il a pas BF. Il est très bien. Il est bien, il va avoir BF, mais il faut se rendre compte que pour l'instant son équipe elle est en train de complètement rouler sans lui ou quasiment sans lui. Alors il a 4-2-1 donc il a quand même participé à quelques kills, mais il a pas eu la phase de ligne la plus gratuite. On n'a pas pris un héros pour vraiment dominer la phase de ligne, on a pris un héros pour contrer la Dusa. Et pour l'instant on n'a même pas besoin de l'utiliser véritablement ce héros pour contrer la Dusa. La Dusa n'est pas un problème.
Non, et puis on aura la M qui sera là plus tard dans la partie pour la gérer. Oui. Si besoin est. Parce que pour le moment, la Dusa elle va pas trouver beaucoup de farm. Le BM et l'Ember ils vont pouvoir lui faire peur à cette Dusa. Et ce timing dont je parlais de la Dusa qui est généralement autour de la 25ème, il va commencer à être sacrément ralenti. Parce que quand une Dusa a moins d'espace pour farmer et en plus se fait tuer de temps en temps, bah c'est beaucoup de networks qu'elle va perdre comparé à des games de Dusa où elle est complètement free. Donc. Non, puis la grosse solution des drafts d'Usa contre M, c'est d'être devant. Oh là, MK s'est fait attraper par Sevier. Le Fear qui va arriver. Et le Puck n'aura pas le temps de rejoindre. C'est dommage. Parce que si ce Puck a le temps de rejoindre, ça change absolument tout. Il a le temps de mettre un coil. J'ai l'impression. Il est en train de mourir, petit mid. Et on va peut-être récupérer ce Puck. Par contre, en échange, non. Oui, peut-être. Oui, si, c'est bon. Ouais, ils vont trade ça contre 3 kills quand même. Ouais. Ça coûte cher d'aller tuer la M pour donner 3 kills en échange. Alors, tu forces des moves aussi et des TP sous la T3 adverse. Donc, tu crées de l'espace en faisant ça aussi. Tu forces par exemple un potentiel Beastmaster à ne plus être présent au top et donc la Dusa peut de nouveau farmer pendant une trentaine de secondes sans être trop en difficulté. Mais c'est pas si rentable que ça non plus. T'aurais perdu tes deux supports et ton Slardar, j'aurais dit. Ok, mais tu perds ton puck en plus. À la place de ton bane. Et là, c'est pas ok. Parce que là, Super Rudy, il lui manque quoi? Il lui manque sa Manta, il lui manque son Skadi pour commencer à devenir dangereux. Il veut le rush là déjà où... maintenant. Okay. Ouais, on peut s'attaquer à ce Roshan. Hein. On a les Beetles de la Weaver, on a le médaillon, on a l'attaque le dragon qui va arriver. L'aura Beastmaster, le rush tombe vite, le rush tombe très très vite. On va le mettre sur nous, vous êtes avec Lumber. Ouais, c'est lui qui va jouer la frontline. Alors, le défaut de, je pense, de 5 camarades, c'est que ils ont de la massivité, mais ils ont un Beastmaster pour aider à la prise de bâtiment, mais leurs 3 corps sont des cacs. Donc pour la prise de bâtiment, il va falloir commit pour cette dernière. Elle est bonne, mais il faut commit. Il m'a l'air sacrément mort. Hein. Oh, on a réussi joli Nightmare. On a réussi dodge, ouais, avec le Nightmare, on a une charge qui va arriver sur Noob. Est-ce qu'on va directement récupérer la Aegis? Pour l'instant, c'est pas le cas, Noob. Ah, il a plus de mana, il va. Il a plus de Remnant, hein. Il a plus de Remnant, mais on va quand même reculer. Est-ce qu'on essaye? Ouais, on pourrait le tuer, hein. Ouais, il y a plus de Remnant sur cet Ember. C'est un Aegis qui a été bien récupéré rapidement de la part de CTD. Est-ce qu'on a l'ulti de la part de lui? On a l'ulti de la part de Super. Pour l'instant, le qui va arriver sur ce puck. Parce que la Dusa ne fait pas pour un moment très peur. Rajix qui se prend des snakes. On a Russell. Est-ce qu'il recule un tout petit peu Russell? Oui, c'est bon, il va reculer l'anti-mage. La ML qui va pouvoir arriver. Omar va tenter une charge qui connectera sur Provost. Mais on n'aura pas assez de dégâts pour la tomber. Voilà, c'est. On n'a pas circulé de la part 1, de CTD. Alors, c'est du 3 pour 1. Mais on a clean un Aegis. Et je pense que cet Aegis est important pour vraiment s'assurer l'enfermement et la prise de tout le contrôle map et de la prise des T2 facilement pour 5 camarades. Donc, il faut commit. Ils l'ont fait. Il est un peu parti trop tôt, Lambert. Sa team n'était pas prête à arriver. Si elle était là, il était un tout petit peu plus prudent. Je pense qu'il attend sa team. Il meurt une fois, mais derrière, il meurt pas la deuxième. Et on va aller se faire la Dusa, hein, j'ai l'impression. Ouais, la Dusa qui va mourir. Il aurait pas dû se montrer au top. Le dernier snake était le snake de trop. On va quand même fight sur la charge avec le. Attention, Noob qui va se faire Nightmare. Est-ce qu'on va l'ulti? Oui, on va l'ulti, Noob. On va clairement l'ulti. On a même récupéré Frogos de la part de Spuck. Et finalement, ça, c'est un 2 pour 1. Mais cette fois-ci, pour CTD. Alors la Dusa ne farme échange, toujours pas. En échange, ils ont perdu du push sur la mid lane, ils ont perdu une tour au bot de la part du BM. Donc même s'ils font des kills, la Dusa ne farme pas et le network continue d'avancer tranquillement en avant l'avantage du Radiant. Donc. Et on va même perdre deux tours là-dessus parce que personne va aller contester ce BM et ses auras. Et son dragon hein, qui fait le travail. Attention, j'ai l'impression que ce puck doit savoir qu'il a été vu. Quand tu vois la réaction du BM au moment où tu commences à t'approcher, tu dois te dire qu'il y a de la vision. Attention, ce puck qui va arriver, il va pouvoir donner la vision sur une char pour la charge. Ouais, on va peut-être perdre le puck par contre. On va perdre le puck. Est-ce qu'on peut le récupérer de la part de Super Rudy? Ce kill il serait extrêmement important. Et on va le récupérer. C'est une unstoppable pour cette Dusa. C'est beaucoup d'argent pour cette Dusa là-dessus. Qui en a besoin. Hein. Alors, elle n'est pas derrière l'anti-mage en termes de net worth. Ce qui est pas si mal que ça. Vu comment la game se passe,
On aurait pu avoir un anti-mage qui décolle complètement et la Dusa qui reste clouée sur place. Or, c'est pas le cas. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et on va espérer pour cette Dusa qu'elle arrive à décoller au network et à dépasser l'anti-mage. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et on va perdre Frogos. Ils ont même tué la Frogos pendant qu'ils contrôlaient la outpost. Bon, on joue un peu trop split de la part de 5 camarades, je trouve. Ils sont pas. Il faut respecter quand même un petit peu l'adversaire. Alors, oui, de farmer split, ça leur donne plus d'XP, forcément. Hein, mais bon, leur AM est pas vraiment online encore. Bon, il a sa manta maintenant, donc il peut venir un petit peu plus dans les fights. Oui. Il va pouvoir commencer à être un peu plus efficace. Mais faut qu'il farme en fait cet AM encore. Il faut qu'il ait encore un ou deux items de plus. Mais il a BF maintenant en 20 minutes. On a laissé le Black Dragon à ce Beastmaster. On est pas si courant de la rotation. Hein. Chez Stagelou, il y avait une ward sur le triangle radiant. Ils sont en place pour attendre dans leur jungle avec un coil à poser. Rajix pourrait remourir tout simplement là-dessus. Ouais. Ouais, on va aller tuer dessus. Silence. Le charger. On va lui mettre une charge. Est-ce qu'on a le temps de se retourner? Non, on n'a pas le temps de se retourner. Omar qui va mettre l'ulti. Est-ce qu'on a de nouveau de quoi faire quelque chose? On a un bash. On n'a même pas besoin de mettre le coil. C'est parfait de la part en termes d'exécution. On a un coil qui va arriver sur justement l'Ember Spirit. Est-ce qu'on a un ulti de la part du main? Oui, on a un ulti de la part du main. Métib qui va arriver avec sa Manta Style. C'est dur qui va se faire récupérer. Est-ce qu'on peut récupérer Frogos? Non, Frogos survit pour le moment. On a un petit peu trop commit. C'est dommage de la part des joueurs de CTD potentiellement. Finalement, Frogos se fait récupérer par ce puck sur la gauche, et là c'est Russell qui va mourir, je pense. Ouais, c'est une question de temps avec le slow du cochon. Oh, mais il a pas récupéré la bounty. Oh, c'est dommage, il a TP juste avant de récupérer la bounty. Ce puck, il a préféré. Je pense qu'il il a voulu cliquer dessus, il a TP trop tôt. Ouais, la Dusa était pas vraiment dans ses moves, elle continue de farmer. Elle a besoin d'un butter, c'est une des semi-réponses contre elle. Ça ramène de l'évasion. Elle fait butter, d'accord. Donc elle aime pas ce choix. Elle aime pas, par exemple, ce choix de Skadi. Je pense que ce choix de Skadi aurait été bien si elle avait été devant pour avoir cette massivité et forcer le commit de tous les héros de 5 camarades. Mais là, vu qu'elle est derrière, elle va prendre quelque chose pour éviter de se faire right-click par l'anti-mage, et ce butterfly est un bon choix. Il y a de la fight dans la jungle d'ailleurs, en haut, si on peut aller voir ce qui se passe. Ouais, bon, ça va être un kill récupéré sur Dalai Lama. Type qui était pas loin, mais qui ne pouvait pas aider sa Weaver et qui ne voulait pas mourir non plus pour cette dernière. Noob qui va essayer de forcer Super Rudy à ulti peut-être, on va. Il Manta TP, non. Ouais, ok. Ouais, Manta TP, ça va passer, on a pas assez de dégâts. Et on a vu Noob, hein, il a fait Orb of Corrosion et Singe. Il a fait Maelstrom avant de compléter sa Singe and Kaya, ou même de compléter sa Singe. Je sais pas quel a été son ordre d'item, mais. On le voit, cet Ember à 2000 points de vie avec de la statue résistance, un shield qui lui permet de tanker un petit peu. Oh, le BM qui a terminé Kuras. Ah, le BM, il est ultra. C'est presque un BM carry, là. Mais il est toujours dans le top networks, hein. Il est toujours dans le top 3 depuis le début de la partie. Hein. Il est inarrêtable ou quasiment. Et pourtant, il est mort quelques fois, il est mort 3 fois, et pas sur la ligne, ou quasiment pas sur la ligne. C'est ultra intéressant. Et on veut smoke sur cette cuirasse. Ouais. Est-ce qu'on va débloquer quelque chose? Là, 5 camarades, ils ont relâché la pression. C'est Bjork qui va encasser, ouais. la smoke. Bon, c'est pas si c'est mal. C'est bien, c'est un kill. C'est mieux que rien. Bon, on aurait espéré tomber par exemple sur une Dusa ou potentiellement choper un Puck ou un Slardar. Mais on a besoin de se regrouper de la part de 5 camarades parce que là, on a farmé ces items assez importants et on peut jouer avec des auras. Les tours tombent vite, hein. Les tours tombent très 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 vite avec ce soir Crest, avec cet assaut Kuras. Donc je pense qu'il va être là pour tenter de cancel les TP notamment. Il est pas très bon pour la prise de bâtiment en lui-même. Ouais, mais là avec la Kuras, les bâtiments ils fondent ouais. Comme neige au soleil. On va essayer de choper quelqu'un sur le retour. Attention, la Weaver qui a le temps d'ulti. Omar avec son chasseur de blade qui scoute. Va se terminer cette Shadowblade, faut qu'il fasse attention.
Multi qui va arriver sur Frogos. Est-ce qu'il arrive à trouver une charge derrière Frogos? Le double crush de la part de Russell. On va voir l'ulti de la part de Radjix. Mais Radjix se fait instantanément récupérer. Les bolas qui ne termineront pas Omar. On a l'ulti de la part de Super Rudy qui va tenter de zoner un tout petit peu. Mais Tib, voilà l'effet anti-mage face à Duza. Nous n'avons pas assez de dégâts pour tomber cette anti-mage. Et l'anti-mage lui a suffisamment de dégâts pour tomber cette Medusa. Mais est-ce qu'il va se faire récupérer avec la charge peut-être? On n'a pas eu le temps de le sortir de la cliff. On a l'ulti de la part de Sebane. Est-ce qu'on a un silence disponible pour ce puck? On a des Sight of Fist, on a des Bolas. Le silence n'est pas disponible. Il a été dodge même, j'ai l'impression, de la part de Noob qui vient de faire un double kill. On va tenter de blink out. On va tenter de jump sur son orb de la part de. Il est en invisible. Invisible, invincible. On est passé en dehors de la range de la sentry. Oh, c'est dommage parce que ce teamfight partait pas si mal que ça. Mais cette Duza n'a pas eu le temps de reculer. Et l'anti-mage, lui, est intervenu au bon moment juste après l'ulti Duza pour vraiment la clean. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que la première partie de la fight, Noob est pas là. Hein. Il est au top avec son Umber. Le temps qu'il arrive, il commence la fight en 4v5. Il sort deux héros, c'était bien vu. Bon, après, quand l'Umber arrive, il l'aime quand même. On va dire que ça les maintient dans la game. Ils réduisent l'écart de Networks. Ça, c'est bien. Ça fait quasiment 10 minutes que l'écart de Networks et d'XP reste la même. Si on pouvait avoir les courbes pour potentiellement confirmer ça. Et regarde, ça n'a pas beaucoup bougé hein, depuis la 15e minute jusqu'à maintenant. Ça aussi, ça monte, ça descend, mais c'est à peu près similaire. Hein. On n'arrive pas à enfoncer le clou de la part des 5 camarades. À chaque fois, ils sont un peu split en fait. Il y a toujours des fights où ils sont pas 5. On arrive à punir ça de la part de CTD. Et on a un peu qui commence à bien s'exprimer en termes de networks aussi, donc faudra faire attention. Ils veulent aller smoke sur IGX, mais on s'y attend un petit peu de la part de 5 camarades, mais on sera encore en 5v3. Ouais, attention, la blink de Russell, l'ulti qui va arriver. Est-ce qu'on peut tomber IGX? Oui, on va pouvoir le tomber en plus avec un kill supplémentaire sur Frogos. Et bah, ça, tu vois, ça c'est ce genre de choses qui permet à CTD depuis le début de la partie ouais, de revenir. Toujours la même, ils mettent le BM au top avec la Willow derrière, donc ils vont chercher la Willow derrière et ils focus le BM. Et bah, il manque toujours une partie de l'équipe quoi. Hein. Ouais, le coil. Le coil. Est-ce qu'on a de quoi tomber cette Weaver? Cette Weaver? Ouais, non, Damaillaman ne s'en sortira pas. Et c'est 3 kills récupérés un peu gratuitement. Il n'y a rien qui est mis en place. On a un anti-mage qui farm en bas, mais il met pas directement de la pression sur la tour. On a un Ember qui bah, il dépouche juste un peu cette vague au mid. Mais ça fait pas peur ce qui vient de se passer de l'autre côté de la map pour CTD. L'anti-mage, on sait qu'il va farmer. Et vu qu'on vient de commit des héros pour tuer des gens, bah on peut pas l'empêcher de farmer actuellement. Et là, on va pouvoir s'attaquer à Sroshan. Et est-ce que la butter de la Duza est prêt? Est plus ou moins proche? Oui. Je pense que oui. Oui, il est là. Et on revient dans le timing. Et ça, ça fait peur. Attention, Noob. Et ouais, on a un Aegis en plus pour Super Udi. On a une shard qui est ultra bien cette shard potentiellement. On a une charge qui va arriver. Est-ce qu'on a un ulti de la part de Sebane? Oui, on a un ulti de la part de Sebane. Et on va récupérer l'anti-mage de type qui venait de prendre une T2 et qui n'a pas de buyback pendant 75 secondes. On n'a pas d'anti-mage de la part de 5 camarades. On est en train de revenir de la part de CTD. Attention, attention. Ils sont complètement revenus dans la partie là maintenant. Et je comprends pas cette volonté de continuer à forcer le split à ce point-là. La montée de high ground n'est pas simple en 5v5. On a certes beaucoup de dégâts au bâtiment. Ah non, mais je suis d'accord qu'ils n'ont pas à monter le high ground. Mais de là à être split à ce point-là, je pense que ça leur fait faire trop d'erreurs. Et en face, il y a quand même Spirit Breaker Bane. Ils ont Spirit Breaker avec Dagger, Slardar, un puck. Slardar, Dagger, Shadowblade. Ils peuvent pas. Ils peuvent énormément pas autant de mobilité. Ils pensent pouvoir Slardar. Le faire. Quoi. Ouais. Et regarde, c'est pareil, ils sont encore speed quoi. Heureusement, nous a trouvé un Select Office sur Savior. On va avoir le magnifique Roar, mais le double crush de la part de Russell qui vient de sortir une. Ah non, c'était pas Shadowblade, c'était une rune d'invis à un moment. Excusez-moi. Et il a sorti le BKB. On va avoir le Coil qui va arriver, qui va clouer sur place ce Beastmaster. Mais est-ce qu'on peut terminer les kills pour le moment? On a Dalai Lama qui se fait. Qui se fait endormir par ce Bane. On a juste récupéré un kill pour le moment sur cette fight. Le puck qui va revenir, on va revenir de la part de Russell et ça va être un bon kill et Noob qui va pouvoir s'en sortir je pense avec les remnants là-dessus. Bah, il se fait charge.
Est-ce qu'on a de quoi le choper de la part de Omar? Oui, on a de quoi essayer de le faire reculer avec un premier bash. Est-ce qu'on a un deuxième bash? Oui, on a un deuxième bash. C'est honteux ce qui va se passer potentiellement. Non, c'est bon. Il peut s'en sortir. Nous, il faut reculer de la part de CTD. On n'a pas ce puck de disponible pour les teamfights. Omar a plus beaucoup de mana. On va trouver une charge sur Tib. Tib qui va se faire. Est-ce qu'on a un ulti? Non, on n'a pas d'ulti. Est-ce qu'on a un autre bash? Non, on a un nightmare qui va arriver sur ce main. Et celui-là, il ne peut pas se réveiller puisque c'est pas le sien. Donc attention à ce petit détail, hein. Vous ne pouvez pas vous réveiller d'un nightmare renvoyé par une Lotus Orb. Est-ce qu'on peut regarder où en est la Weaver de ses items? Est-ce qu'il prépare un Aghanim? Non, on a une Lotus Orb, mais on n'a pas d'Aghanim. Ok. Ça pourrait être bien s'ils font des fights à 5 à un moment, mais... Bon, pour l'instant, c'est la FT1 qui finit par tomber. Et super Udi là-dessus. Est-ce qu'on s'attaque à cette T2 mid? Ah, il a Butterfly, il prépare Lincoln Sphere pour éviter l'ulti anti-mage. Il a la Shard aussi. Hein. Donc attention, tous les spells qui vont lui être envoyés dessus vont renvoyer un Snake. Ça a 12 secondes de CD. Et c'est un Snake qui, je pense, a le talent de mana regen. Ah, on a le plus 30% de gain de mana sur le Snake. Hein. Donc c'est un Snake qui peut rendre énormément de mana sur notamment une Dark Willow ou sur un anti-mage qui a fait ce qu'a dit. Ça peut être efficace. Alors je crois qu'il peut être envoyé ce Snake, c'est vu que c'est un Snake, il peut être envoyé par l'antimage avec un counter spell. Donc attention, ça peut toujours surprendre, mais vu que ça vole plus la mana, c'est moins efficace de le counter spell sur le Snake. Et il reste 2 minutes d'Aegis, ils vont les tâter du Aigrand, ouais. Au moins pour les faire reculer. Omar, il a clairement, vu quelqu'un dans la triangle, il y a une charge qui est partie, ouais. On a mis un coil sur cette c'est sur l'antimage. Non, pas sur l'antimage, sur l'Ember Spirit. Est-ce que l'Ember survit? Il se fait silence? Est-ce qu'on a de quoi le tomber? C'est dommage, Alors j'aime bien cette idée, ça force beaucoup de choses, mais j'aurais préféré qu'ils montent le high ground de manière brutale avec cet Aegis. Ouais, le pack, ils ont voulu trouver un pick-off, et au final, bah en fait, sa camarade n'était pas prêt pour ce genre de situation. Oh, magnifique, le nightmare de Savior qui lui fait gagner un tout petit peu de temps. Tip qui est en train de racler, qui est en train de potentiellement survivre, tu sens qui va arriver, l'aurore qui a été utilisée pour tempo. On a buyback de la part de Omar. Et on je pense que c'est bien de désengager sur le buyback du Spirit Breaker. Ah, je sais bon, pas, j'aurais vraiment aimé. Ouais, c'est ça, j'aurais vraiment aimé une montée de high ground. Ouais, c'est ça, c'est. T'as ta Butterfly, t'as ta Lincoln qui vient d'arriver. Il te reste encore 1 minute 20 d'Aegis. Tu sais que tu viens de mettre des coups de pression et que tu viens de ralentir le farm de l'antimage et que tu viens potentiellement passer devant. Je pense qu'ils doivent le sentir en termes de dynamisme et peut-être qu'ils se sont sentis. Pousser des ailes un petit peu trop fort en fait. Et après, si tu l'umber, c'est vraiment une défense impossible après pour leurs adversaires, donc je peux comprendre. Mais... Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont certes 3 héros très mobiles avec ce Slardar, avec ce Spirit Breaker et avec ce Puck, mais la Dusa, c'est lent la Dusa, ça a 345 de MS, c'est vraiment lent, c'est difficile avec une Dusa quand t'es bot d'aller rejoindre le fight au triangle top, sachant que c'est même pas un fight où tu peux TP sur ta tour puisque c'est dans l'équipe adverse, donc il fallait vraiment être sûr qu'il y ait aucun joueur de 5 camarades pour tenter ce genre de move. On s'attendait à ce qu'ils mettent en place une défense de high ground, ça n'a pas du tout été le cas. On a tout smoke sur la dépop d'Aegis, ça a été plus ou moins senti de la part de STD. On recule ce genre de situation, tu sais que l'Aegis va dépop. Eux aussi, ils savent que l'équipe adverse le sait, donc... Non, c'est la Russell, c'est cash, okay. C'est bon. Ouais. Il prépare à Sokuras hein, pour contrer la Sokuras du Beastmaster. En plus, l'attaque speed très intéressante sur ce Slardar hein, pour pouvoir régulièrement bash. C'est eux qui smoke. Lincoln, de la part de l'AM, encore pour jouer contre Spirit Breaker, toujours c'est Lincoln. Ouais. La charge qui part sur Lumber. Ouais. Lumber il va mourir. Lumber il va complètement mourir là-dessus. Oh là là là. Et il a justement, pas de playback, dans ce genre de situation, un Aghanim est beaucoup plus rentable qu'une Lotus Orb pour cette Weaver. Et le coil qui va arriver. Ah ouais, donc on vient de bien de le voir. Il peut coil. Là, ça l'a tué. Ça le tue parce qu'il se fait quand même stun s'il break. Ok. Ouais. Ah oui, oui, il break le coil. Hein. La M au top. Ouais. Il prend des Temple TP, c'est déjà ça. Il a pas de quoi lutter contre le coil, hein, par contre l'anti-mage. Hein. Il a pas de BKB et il sait que s'il fait BKB, il y aura une réponse à Ganim de la part de Spock. Donc, t'es toujours dans ce genre de situation où tu vas te prendre le coil quasiment tout le temps. Et il y aura peut-être un moment où tu vas
pouvoir éviter ce coil au moment où tu sors BKB et tu peux surprendre une ou deux fois le puck, mais ensuite puck aura Eganim. Et d'ailleurs, il va complètement 37 skip secondes sans lumber, pas de glyph, ça va être une T3 ça. Et peut-être ouais, même ça un side. Même hein. Être un side hein, parce que c'est une Dusa Butterfly donc ça tape vite et fort avec, avec Butter. Les routes qui sont mises, ouais, Dusa Lizzie, hein. Ça lui fait pas peur, hein, une ronce Dark Willow à ce moment-là de la game. Non, le BM qui cut toutes les vagues avec ses, son zoo, il a cut au mid, il est reparti au top. Mais bon, le mal est mais fait, il y avait le side suffisamment est pris. De quoi faire pour prendre un side, effectivement. Il y a un DD qui vient de spawn dans la rivière, à voir si ça peut avoir un impact. Bon, c'est, allez, c'est au bot. Donc pour l'instant, vu par aucune des deux équipes. Il est très fort, hein, ce DD, que ça soit sur anti-match qui a Butterfly ou sortie cette Dusa qui a Butterfly. De la part de 5 camarades qui a été vue, c'est la charge. Ouais, la on charge, prend la fight sur la M. Ouais, la M qui va tenter de s'en sortir. Il peut s'en sortir, il peut blinkot. Mais j'ai l'impression qu'on récupère Frogos. On a un ulti de la part de cette Weaver qui vient d'arriver. On essaye de récupérer ce puck, mais ce puck va pouvoir. Oh le pot. La charge BM qui permet de tuer le Omar qui a pas de buyback. Ouais, qui est même en dieback, hein. Ouais. Qui avait buyback sur le fight précédent. Et qui se retrouve sans buyback. Attention, la Dusa qui va arriver. On va peut-être tenter de tomber Tib. Tib qui, avec sa Butterfly, c'est commence à dodge quelques coups. Mais j'ai l'impression que ça sera suffisant pour moi. Ouais, Super Rudy a plus de mana. Hein. Ouais. Avec le Snake, ça va aller. Oh, pff, ouais, voilà, il se remet fou. Alors, quasiment mid mana, juste ouais. sur une pauvre Dark Willow. Et ouais, c'est Dior. Le Bane, on met l'ulti, on sait qu'il n'y a plus vraiment de contrôle parce qu'il va gagner suffisamment de temps pour tuer Noob. Oui, il gagne suffisamment de temps pour tuer Noob et en plus on a mana burn suffisamment. Mais par contre, le puck est mort derrière. Ouais, le puck est mort derrière, mais l'anti-mage n'est pas forcément dans une situation où ils peuvent mettre fight la Dusa. Hein. C'est pas avec ses 500 points de vie. Heureusement, on a un Vlad qui lui permet de récupérer beaucoup. Mais pourquoi je dis qu'il a Butter alors c'est la Dusa qui a Butter, je suis un con. Bon, bon, bonne séquence quand même pour 5 camarades dans l'ensemble. Dommage que Lumber meurt. On a Silver Edge. Un Basher qui vient d'arriver sur la M. Ça va aider à tomber cette Dusa. Parce que là, pour l'instant, la Dusa, elle commence à être bien tanky. Alors, je vous rappelle, hein, en cas d'abyssal, en elle-même est renvoyée. Mais vous avez le Mystic Snake qui proc aussi sur les items. C'est pas que sur les spells. Ils ont pas de on a un Crush qui va arriver. On va avoir le Blast King qui va arriver. Mon Almanta. Et on va complètement défoncer. Ce Slardar, on a utilisé l'ulti d'Usa pour gagner un peu de temps et on buyback pas pour l'instant. Pas qu'il y a le Slardar, mais est-ce qu'on les utilise? Bah, attention, on va peut-être être obligé de les ouais, utiliser. Ouais, mais la Butter qui commence à faire le travail. On a plus de mana de la part de Super Rudy, on a plus de Lincoln. Est-ce qu'on a un ulti de la part de Tib? Non, on n'a pas d'ulti de la part de Tib. Et j'ai l'impression que Tib a voulu y aller un petit peu trop violemment. Non, ça va se passer, on n'a pas de buyback de la part de cette d'Usa. Ouais, oh, on ne sait pas qu'on n'a pas de buyback. Oh, on sinon, ne il sait était mort, pas qu'il n'y a pas de buyback. Et on aurait peut-être dû buyback un peu plus tôt de la part de ce puck et de ce Slardar pour tenter de sauver cette Dusa. Et au final, Tib va pouvoir revenir hein, avec le vol de vie du Helm of Overlord. Et il a pris le Blast Ring. Donc j'avais bien vu des coups de Blast Ring et c'est ça son évasion. Face au Slardar, le Slardar ne peut pas le crush, le bash en permanence à cause de ce Blast Ring. Ils ont pas les creeps et la protection qui va donc revenir, ça a piégé ouais, de la vallée. On a le coup d'Agon. Le travail, attention, la Lincoln qui va arriver et on va récupérer ce buyback, lui. Ouais, c'est du 1v1, c'est pas du 1v1, mais du 1 pour 1 après les autres, ils se donnent un par un. Attention quand même, je comprends qu'ils veulent défendre les racks, mais leur Dusa a pas de buyback, donc il faut peut-être me les laisser tomber. Ouais, et là ça va être potentiellement deux sides qui vont tomber. Ouais, Nightmare, mais bon, encore une fois transféré. Ou dispel, même par la Lotus Orb. Tib qui recule un petit peu. On a le Slardar qui est de retour. Ouais, il est surtout Lumber qui est de retour. Ouais, Lumber qui va revenir. Et Lumber qui va faire énormément de dégâts. On va tenter de tomber ce Bane. On va réussir à tomber ce Bane. Est-ce qu'on va réussir à tomber le. Ouh, ce Slardar a eu un peu chaud là-dessus. Heureusement, ouais, il est dans sa fontaine. On est peut-être sur une fin de BO la prochaine. Ouais, quoi qu'il y a encore une glyph. 5 secondes le retour de la Dusa, non la partie n'est pas terminée. On va quand même insister de la part de 5 camarades sur le retour de la Dusa. Okay, ah bah, on oui, la Dusa TP, on vient de la ping. Oui, assez vache. On a le crunch qui va arriver. Est-ce qu'on met l'ulti de la part de cette Dusa dessus pour Rudy? Pour le moment, c'est pas le cas. On a la Lotus, on a la Lincoln. On va tomber de Tib. Tib a un buyback. Grâce à leur joueur farmé, notamment sur la prise de side, on a un buyback. Russell, faut que tu fasses gaffe. Oui, ton équipe a été fière. Ils se sont fait fire. Aïe aïe aïe, Russell, il fallait reculer en fait. Il fallait reculer.
Timeless Relic. Et nous qui donne l'espace à sa Willow pour reculer le puck. Ou attention avec ton puck. Ou attention avec ton puck. Oh, il a réussi à blinker. Attention, Radjix. Ouais, on va récupérer Radjix là-dessus. On la break. 95 secondes sans le Beastmaster qui vient de compléter BKB. Toujours une bonne chose à voir. Il a pas de buyback ou il était en CD, il a acheté BKB, du coup je sais pas trop. Je pense qu'il a juste pas l'argent à cause de l'achat de BKB. Mais bon, c'est deux sides et une T3. Et c'est difficile maintenant d'aller mettre de la pression pour obtenir ce buyback quand même là. Est-ce qu'il y a un Roshan plutôt à aller chercher qui serait pas mal? Oui, on va s'y diriger. Il sera difficile à contester à 3, je pense, de la part de 5 camarades. Allez, super Rudy qui s'y attaque. Et avec Butterfly, il a pas trop de difficultés. On a pété la Lincoln du Roshan pour permettre à Omar de charger. Bon, c'est bon, Beastmaster a retrouvé son buyback. Il manquait vraiment pas beaucoup d'argent. Oh, la prise de side, la prise des deux sides et les teamfights qui ont permis ces prises de side les ont mis très bien. Ça les maintient dans la game, hein, cette prise de Roshan là. Je sais pas ce qu'il y a dans ce Roshan, est-ce que c'est. C'est un Aghanim. Un Aghanim en plus. Ça peut être très fort sur Puck, ça peut être très fort sur cette Dusa hein, qui va pouvoir pétrifier avec son Snake. Attention à ce genre de détails, si on ne le voit pas, ça peut être extrêmement important. On a une Timeless Relic. Incroyable sur Puck cette Timeless Relic. Incroyable. Le coil qui dure plus longtemps, les dégâts magiques qui sont beaucoup plus présents. Et en plus, on a Dagon sur ce puck, donc un puck magique là-dessus. Et je pense qu'il va la prendre cette Timeless Relic. Hein. Ouais, il a enlevé son Quiver. À mon avis, c'est pour cet item. Ah, clairement, ouais, c'est 25% de durée des spells. Donc 25% de durée de silence supplémentaire, 25% de durée de coil, que ça soit le coil de base ou le stun du coil. Et vous avez 15% de spell amp. Toujours très très bien. Avec ce Roshan et cet Aghanim qui a donné une Networks à la Dusa, bon, elle a pris beaucoup d'avance. Puis ils sont revenus à égalité de Networks. Bon, ça, c'est l'effet du Roshan. Alors, l'anti-mage, c'était déjà un très bon héros pour lutter contre Dusa. Il vient de drop Witchbane. S'il s'en équipe, la Dusa n'existe plus. Tout simple, il va la défoncer. Il lui met pourquoi un coup c'est à cause de l'aspect de... mana là. Ouais, à cause de l'aspect mana. Alors, s'il l'équipe, ouais. Il est pas obligé de l'équiper, mais la Witchbane va faire des dégâts en fonction de la max mana. Donc la Dusa va forcément avoir quand même de la mana puisqu'elle est obligée, puisque c'est un peu son tool de tankiness. Tu lui burn la mana, tu lui fais des dégâts en fonction de sa max mana, ça commence à faire beaucoup de dégâts. Hein. Donc ton shield il va péter en 2-3 secondes et heureusement que tu auras un snake avec Aghanim plus sharp pour tenter de survivre. Hein. Type qui joue avec 3 items neutro. Ouais, c'est intéressé par à peu près tout. Même plus que 2 maintenant, ouais. Il va avoir l'invis, qui est toujours bien. Hein, et il va avoir Abyssal aussi bientôt. Hein. Ouais. Est-ce que tu préfères pas garder buyback quand même, mais. Et il est pas si loin que ça de l'Abyssal et du buyback hein, avec ses 4000 gold. Je pense et là-bas, il a Mac qui va finir par avoir un Aghanim, il lui manque un peu encore. Et ça pourrait être aussi important. On a une Lotus, on a une Lincoln. Donc si on spam de Lotus et l'anti-mage, il a déjà un counterspell. En termes d'items, et il en aura un deuxième via ses. Ils vont peut-être aller faire ce qu'ils auraient dû faire tout à l'heure, c'est-à-dire monter le high ground avec la EJ sur la Dusa. Non, mais cette fois-ci, ils ont un side de retard et la pression des vagues de creep est pas au même endroit. On commence déjà à taper les C4 creeps dans leur base. Et ça va être ce puck qui va s'y attaquer. Alors, on va prendre déjà un side. Oh, la glyph est utilisée un petit peu tôt. Allez, ou un peu tard si tu la voulais sur la T3. Comme... Et du coup, il faut quand même aller défendre. Ouais, super Rudy, attention, on a une charge qui va arriver, qui va connecter sur Frogos. Ça n'arrive pas bien, part de Tib, il va arriver. Et Tib, il est peut-être en grande difficulté. Il va mourir, et heureusement, il a un buyback. On a une magnifique ulti de la part de ce Bane qui va tenter de choper ce Beastmaster qui a pas eu l'occasion d'activer les KB. C'est bon, ça va être le cas. Le call qui ne connectera ni sur Noob, ni sur Adjix. Attention Tib qui peut être en situation d'iBack. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer Noob? Est-ce qu'on peut récupérer cet Ember Spirit? Oui, il va pouvoir s'en sortir. Et là on est super Rudy, il est un peu seul contre le reste du monde. Est-ce qu'on va buyback? Oui, on va buyback. On a la prise des autres postes qui vont permettre aux joueurs de CTD de revenir. Est-ce qu'on recule? J'ai l'impression que ces buyback ont été surtout là pour sauver super Rudy et éviter que 5 camarades ne s'y mettent à 5 pour tomber cette Dusa. Et on va buyback ce Bane, hein, ce Bane qui TP. Alors, on smoke de la part des joueurs de 5 camarades pour tenter de défendre ce high ground. Super Rudy qui va tenter de régénérer un peu de mana sur son Snake. La prise de side va être bonne. On force buy, évidemment, l'abyssal, puisqu'on a plus de buyback de la part de sa tante image. Et on a un Greater Bash à 25% de dégâts supplémentaires. On n'a pas pris les 800 points de vie pour ce bar. Et on a égalisé les sides. C'est ça. Alors, on a commis beaucoup de buyback, mais on a égalisé les sides.
Donc c'est une très très bonne chose. Il y a un TD dans la rivière. Est-ce que la game va se jouer là-dessus? Oh, il a été vu pour le top et je pense que l'anti-mage va s'en équiper. Et ça, ça peut créer une énorme surprise et ça peut faire très mal. La Duza va la voir. C'est Noob qui va récupérer cette DD. Oh, c'est pas pour l'anti-mage, d'accord. Alors on a, ouf, par contre, l'ancien qui se fait exploser. J'ai l'impression que ce Slardar, il a débloqué une shard parce que là, l'ancien, vu les rakits qu'il a pris, ça m'étonnerait pas qu'on ait eu le temps de sur le crush d'avoir la petite shard qui proc l'ulti. On est sur une du money time là. On a la M qui meurt, la partie est terminée. Si la Duza perd tous ses coéquipiers qui ont pas de buyback, il y a quelqu'un en aura un, plus le puck quand même qui va récupérer le sien, mais. La Duza peut pas gagner la game toute seule, je pense. Non, surtout sans Jaegis, qui va dépendre. De toute façon, Lumber, qui est tout seul au top là. Et qu'il est ouais, en train de faire en train de faire Omar. Va mourir. Il a tué Omar, va mourir. C'est un dieback pour ce Barra. Est-ce qu'on arrive à choper? Ou on va choper ce. Oh, c'est dangereux. Oh, c'est dangereux. Est-ce qu'on a un snake qui arrive? Oui, on va avoir un snake qui arrive et on va. C'est pas un dieback pour cet Ember, mais on peut forcer le dieback de l'Ember. Ouais, c'est compliqué. On va jouer à 4v4. Barra d'aller fight. Ouais, c'est surtout compliqué de reculer potentiellement puisqu'on n'a pas cet ID sur la Duza, donc ça pourrait être très dangereux. On va aller faire les tours, en tout cas la T1. Ouais, la T1 top, elle va disparaître. On essaye de remonter la ligne en bas de la part de ce Beastmaster. On est en avance dans le sens où, vu qu'il n'y a pas de T2, on a juste à pousser la vague de creep, les creeps vont suivre. Mais on est sur une Duza qui tape vite et fort, donc attention, faudra. À la course au Omega Creep, heureusement que la T3 bot est tombée. Il faut aller défendre la base là, vous avez une glyph. Non, ouais. ils ont le temps de réagir quand même. Attention, ils ont le temps de réagir, mais la Duza a toujours pas TP. La Duza, est-ce qu'il y a un TP cette Duza? J'ai l'impression que cette Duza a pas de TP. Si, elle c'est bon, elle va TP, commencer TP, à l'activer. Tib qui recule, attention avec ton puck. Ok, on a fait Swift Link. On n'a pas fait cet item dangereux qui est rapière. On a décidé de partir sur la Swift Link. Le puck s'en sort. Alors on a perdu on une a sauvé Rax. La Rax. On a sauvé la mêlée Rax. Oh, oh, Bane. Oh, magnifique de la part de Bane. Alors, il y a deuxième, un deuxième hook. Tib, non, on va pas pouvoir y aller de la part de Tib. Le coq, c'est mortel hein, pour Tib. Ouais, il a pas de buyback, Tib. Hein. Et il a pas de BKB, Tib. Il a pas de BKB. Attention à lui. Non, c'est bon, il va s'en sortir. Il tourne le dos à la Duza. Non, il est trop tanky pour le moment avec ce Solar Crest. Et là, du coup, ils ont forcé Coil et Ulti Duza. Est-ce qu'on reprend pas la fight sur l'absence de ses CD? Compliqué. Compliqué, mais bon. Attention, attention. Est-ce qu'on peut récupérer? Oh, Tib, il s'est fait surprendre par la Ganim. Tib, ils sont morts. De la Duza. Et il vient de se faire pétrifier. Il vient de se faire complètement massacrer là-dessus. Oui, on va avoir un ulti Bane et j'ai l'impression qu'on perd la game dessus. On n'a pas de buyback sur la Weaver, on n'a pas de buyback sur Antimage. Parce que c'est fini. Et on n'a pas vu cet Aghanim consommer, j'ai l'impression. Ou alors on s'est pas rendu compte, ou alors on n'a pas réussi à renvoyer le snake. Coup, il a mis l'abyssal et il a mis l'abyssal et il s'est fait renvoyer le snake au corps à corps. Il a pas eu le temps de counter spell et là on fait la rapière. Évidemment, on veut terminer la game le plus rapidement possible. Attention, Omar, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Omar, il va mourir là-dessus. Ça passe pas, Regix, à mon avis, le TP, il y a ulti Bane. Non, même pas. Non, il y a plus de contrôle, il y a plus d'ulti Bane. Et il y a pas de Dreamcall disponible. Omar qui va. Noob, il fait gagner beaucoup de temps à sa team là-dessus. BKB. Activation de BKB, il a pas de remnant, les remnants vont revenir au moment du Dream Coil, ça va être compliqué pour nous d'être efficace. Ça va vraiment jouer à quelques secondes. Ah non, et là-dessus on va le récupérer. Il a un buyback lui. Lui il a un buyback, donc il gagne du temps. Est-ce qu'on a une vague de creep? Ou on a une vague de creep qui arrive au mid dans le pire des cas et on va s'attaquer au T4. 60 secondes pour la M et la Weaver. Ouais, mais regarde, avec cette rapière, ça, le travail sera fait. On glyphe au moment où la backdoor revenait. Est-ce que Super Rudy a le leveler équipé sur lui? Je pense que oui, je pense qu'il en a besoin. Oui, il a le leveler en plus. Ouais, donc là les bâtiments il va falloir défendre sans la M, ça paraît quand même impossible. Non, Super Rudy, je pense que la game est gagnée, racks, voilà. Fini, ouais. Elle est gagnée là-dessus. Aïe 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 aïe, c'est Aghanim récupéré sur Roshan qui a pas été bien considéré et qui fait tellement la diff. Elle était dure cette game pour. On sentait que l'anti-mage pouvait gérer la Duza, mais on a toujours cet effet de puck qui est chiant pour la M, quoi. À mon avis, il peut pas. On nous demande dans le chat pourquoi il a pas counter spell. Bah, le problème, c'est qu'à mon avis, il peut pas abyssal au cac et counter spell en même temps.
Et bon, bah voilà, il s'est raté, type, tout simplement. Je sais pas ce qu'on ouais, c'est ça, là, c'est... Mais... ça arrive. Hein, c'est... Ah ouais. Il blink in, il suffit qu'il croit que sa Lincoln est présente. Sa Lincoln se fait péter juste à ce moment-là. Tu vois, c'est sa Lincoln normalement qui lui dit ok, j'ai le temps d'activer Counterspell ou ce genre de choses. Là, sa Lincoln, bah, elle a pété au moment où il met l'abyssal. Et donc, il se fait renvoyer le snake, il est au corps à corps. Donc, il est surpris aussi, je pense, type. Il a son item défensif qui est pas. Qui est déjà proc à ce moment-là, donc c'est difficile pour type de réagir. C'est une game de decision making, c'est là, et c'est cool parce qu'on n'en a pas eu beaucoup dans ces playoffs, des games qui sont finales perdues ou gagnées au decision making uniquement. Et avec, quand je parle de decision making, c'est pas forcément des moves de team, des où être, etc. C'est decision making de comment est-ce qu'on prend l'exécution d'une fight. Ça va aussi avec les item builds. Il faut toujours savoir prendre les fights en accord avec ces item builds. Par exemple, si on réfléchit qu'à la dernière fight, la M qui a pas BKB, est-ce qu'il peut vraiment go in comme ça? Et est-ce que c'est vraiment safe, même s'il pose l'abyssal, est-ce qu'il est pas trop en danger? Ou le decision making de, ok, tu forces ses spells, quand est-ce que tu prends la fight? Comment est-ce que tu reprends la fight? Etc. Et c'est, du coup, c'est assez chouette de se rendre compte que cette game-là n'est plus du tout dans la catégorie des délires de win lane, win game, ou out draft, où on n'a pas de quoi gérer machin. Celle-là, elle est beaucoup plus vraiment à des micro-décisions et à l'explosion par moment de certains héros. Et bon, bah évidemment, dans ce genre de game-là, il y a beaucoup de petites erreurs mécaniques et d'erreurs d'exécution qui sont là en place. Et bah, malheureusement, dans des situations comme les money time de late game, bah, il n'en faut qu'une, hein, d'erreurs mécaniques et d'erreurs d'exécution pour que la game soit finie. Et bah c'est ouais, long, peut-être que machin a fait 40 erreurs entre la première et la 20e, mais c'est machin qui fera l'erreur à la 45e qui perdra la game, quoi. C'est ça, c'est un peu celui qui fait... Bah, c'est, bah, Non, mais je vais pas plagier, je vais pas non plus paraphraser ce que tu viens de dire, Voja. Donc non, c'est ultra important parce que on peut. Cinq camarades a été bien devant pendant toute la game, et ce qui a relancé un petit peu CTD, c'est le fait qu'on ait trop joué sur le split de la part de cinq camarades. À un moment, on était bien devant parce que la prise de high ground était compliquée, mais bah, à un moment, CTD a failli renvoyer l'avance qu'ils avaient pu reprendre et ce genre de choses. Donc, ça a vraiment été un jeu de j'ai de l'avance, je la renvoie, en tout cas, je la perds et finalement je la récupère. Et les deux équipes, ça s'est joué là-dessus. On a cru que cinq camarades l'avaient fait au moment où ils ont pris ces deux sides et pas du tout en fait. Donc, c'est vraiment plus on arrive loin dans la game, plus chaque petite erreur va compter. Énormément en fait, c'est une toute petite erreur de decision making et beaucoup plus impactant que faire une erreur à la 3ème minute où bon, t'es mort et t'as donné le first blood, oui mais c'est bien, mais à la 45ème on n'a plus rien à faire des 200 golds du first blood quoi. Donc, ouais. quand ils sont forcés pour le 3ème side, ils sont en difficulté à ressortir de la base sur le respawn de la Dusa où ils ont un petit peu essayé de fight, du coup ils perdent l'AM et du coup ils perdent le Roshan, et donc c'est un Roshan Aga, et au final la fin de la partie elle se joue sur un snake de la Ganym Dusa. Bon. C'est tous ces petits moments qui sont un petit peu mal interprétés, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de forcer le troisième side comme ça, mais bon. Ouvrons le bouquin à écrire avec les pages blanches du futur, et plutôt que d'écrire hier yeah. J'aurais dû, on va essayer d'écrire demain je devrais, parce que ce qui est stylé c'est que du coup ça nous met dans une bonne situation pour la game 3, c'est CTD qui se remonte le moral, je sais que c'est beau Max, merci, je l'ai travaillé cette phrase, je la répète depuis la minute 10 pour être sûr de pouvoir la placer. Non, ce qui est stylé c'est que je sais plus ce que je veux dire, oui CTD on les disait en difficulté moralement et mentalement, là on est sur deux équipes qui avaient vachement confiance en leur draft et c'est cool parce que c'est deux mecs qui arrivent et puis qui se disent non mais en fait on s'en fout qu'ils aient du ZA, on est fine avec notre AM. Très bien, ça leur a donné raison pendant une partie de la game, et les autres ok non mais on sait qu'il y a de grandes chances qu'il a speak AM, on est fine avec notre draft, on y va, on a confiance en nos capacités, et ben ils avaient raison aussi, donc c'est cool, le scénar est trop bien posé pour la game 3, on a deux équipes en forme, en confiance sur leur gameplay et en confiance sur leur draft, le scénar est parfait. Donc bah, très belle victoire de CTD qui, voilà, qui se remobilise potentiellement et qui va espérer, je pense, prendre la troisième manche. Cinq camarades est loin d'être éliminé parce qu'eux aussi ils peuvent gagner cette manche et on va espérer pour eux que ça sera le cas. Vous espérez qui en grande finale là, entre cinq camarades et CTD avant de partir en pause? C'est difficile. Moi, dire, c'est serré. Hein. Je reste sur cinq camarades parce que c'était mon message d'entrée pour un petit peu l'expérience qu'ils ont sur un peu plus de joueurs, mais globalement ça, les deux sont
totalement au niveau pour passer, ça va jouer sur des détails. Là même, j'ai Call 5 Camarades à Donores en grande finale, je reste sur mes bêtes okay. Initiaux. Bah, on va espérer que. Bon, on va espérer que pour 5 camarades qui vont se qualifier et ne pas subir la caster curse et le jinx. Et puis pour cet aider, bah, ça serait bien pour eux de déjouer les pronostics. Donc petite pause et on se retrouve d'ici quelques instants pour le draft de la game 3. Yes. À tout de suite.